Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, on est parti pour une toute nouvelle vidéo, alors je compte sur vous pour mettre les 100 likes, pour vous abonner, pour mettre le code créateur RADACORD, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Rien qu'avec ce preset, vous allez comprendre la dinguerie qui va arriver. Enfin là, je tourne l'intro juste après avoir tourné la vidéo. Normalement, je devais le mettre dans une vidéo trade. Oh la vache, il est incroyable le stickers. Et on a d'ailleurs, on a vu ce stickers dans la vidéo. Donc j'ai décidé de juste faire une vidéo sur lui parce que vous allez voir, il est sur Play, bah, comme moi. C'est pour ça que j'ai décidé en partie de faire cette vidéo. Il est ultra riche et donc on va découvrir ensemble tous ses items. Je vous laisse regarder, j'ai dit une quantité de conneries et dans cette vidéo, mais ne m'en voulez pas, j'ai vraiment pas fait exprès, je m'y connais pas en tout ce qui est série, tout ce qui est collection et tout, je suis vraiment désolé. On a parlé un petit peu et donc il m'a expliqué qu'il avait pas mal de stuff. Je vous avoue, s'il m'aurait pas montré, j'y aurais jamais cru. Bon, j'arrête avec cette intro hyper longue, je vous dis bonne vidéo. Je pense que j'ai ma miniature. J'étais en live sur YouTube et il y a quelqu'un dans le chat qui avait l'air de beaucoup s'y connaître en trade. Il m'avait dit que mes Fennec que j'avais acheté, qui étaient certifs attaquants et de la série absolument géniale, bah, c'était vraiment bien, que ça pouvait se vendre jusqu'à 400-500 crédits au-dessus du prix minimum. Et c'est peut-être l'un des plus gros traders bah, sur PlayStation, je pense. Je suis sur Play et regardez, il a 6... casquette d'or et c'est un truc de fou, vraiment. Il a 6 casquettes d'or et la casquette d'or, faut savoir que ça vaut sur PS4 98 000 crédits, donc là il a rien que 600 000 crédits. M'entends pas encore, mais n'hésite pas à m'en donner une si tu vois cette vidéo. Je peux te la garder sur ma PlayStation qui bug d'ailleurs en ce moment énormément. Bon, ça on s'en fiche, pourquoi je dis ça? Je lui ai demandé s'il avait des autres trucs, il m'a dit il y a mieux. Alors on va voir ce que c'est, préparez-vous. C'est les DSI, je crois qu'il a le 7, tout simplement. C'est le 7 des DSI, mais je sais pas du tout combien ça coûte tout ça. Donc là j'ai pas de réaction, donc je sais pas combien ça coûte. Les DSI peu courants, DSI noir exotique, ok. Donc ouais, ok. Il a 3 Fennec blanc titane, juste ça. Il avait encore mis une DSI. C'est un truc de fou son stuff. Ah là, ça c'est les Alma alchimistes, ouais. Noir certifié. Donc si donc il a le set complet de DSI. Donc en vrai je sais pas ça représente combien. Donc une casquette d'or. Si on dit que les 5000 crédits c'est 20 euros, ça fait au total 400 euros pour la casquette d'or. Mais à mon avis pour la rareté et tout, on peut rajouter facilement 100-200 euros. Donc ça doit être 600 euros je pense. Et le set complet des DSI, il me dit que c'est environ 35K. Ok. Bah en fait il m'a dit il y a mieux, mais ça doit être au niveau de la rareté si t'es collectionneur ou quoi je pense. La DC Exo Certif Libéraux vaut actuellement 38K. Excusez-moi pour la notif, CRL Trading Post. Ensuite bah, comme je vous ai dit, il y a les Fennec Plan Titan. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi riche, vraiment. Sa roue alchimiste, j'avais vu, elle vaut pas si cher que ça, mais là il dit qu'elle est très dure à trouver. Donc il a les oreilles de chat, c'est vraiment un collectionneur. Il a l'ordinateur central noir. Donc voilà, il a l'alchimiste noir comme je vous avais dit. Il l'a aussi en tacticien, c'est ça qui m'a dit qu'elle était très difficile à trouver. Donc je sais pas c'est quoi ces items, mais s'il les met à mon avis c'est qu'il y a une raison. Bon, le standard black, ça je sais que c'est pas forcément très cher. C'est environ 1900 crédits. Ça c'est Dominus au-delà, ça m'intéresse. Je vais regarder le prix vite fait. Ça vaut tout simplement 1000 crédits ce stickers. Ensuite il a dit quelques trucs sympas. Bah ouais, c'est quelques trucs sympas. Bon, c'est pas ça, pas un prix de ouf. L'ordinateur central c'est à 2600 crédits, c'est déjà bien. Mais c'est pas non plus un truc exceptionnel. Mais chaque item ça vaut hyper cher quoi. Même sa collection d'oreilles de chat, à mon avis, pour la trouver, ça doit être hyper galère. C'est vraiment un truc de fou son stuff, j'en reviens pas. Là sa petite roue rose c'est 600 crédits.
Donc là il me dit, je sais pas comment on prononce, Terre de Sienne se vend cher car rare aussi. Ok, les ventes actuellement environ 2500 crédits. Moi ouais, en fait, ça vaut, mais en vrai là il y en a pour facilement 20 000 crédits quoi je pense, facilement. Et oui j'avais bien reconnu ces émeraudes, émeraudes pro, je crois que c'était une récompense que les joueurs pro ont eu. Et c'est pas tradable. Du coup, je lui demande comment il l'a eu. Et ouais, bah, j'avais bien reconnu, j'en avais déjà entendu parler. Je sais pas comment il a pu avoir ça. J'ai vraiment hâte de le savoir. C'est un code RL16 d'un match. Fallait valider son ticket. Ah, ok. Ouais, en fait, non, c'est pas une récompense des joueurs pro. C'est un code RL16 d'un match. Fallait valider son ticket. Attends, je vais lui demander. Ah bah à mon avis ouais si c'est que pour les joueurs pro, j'ai par chance trouvé un code et j'ai acheté, très difficile à trouver ce genre de code. Bah, tu m'étonnes, c'est juste des récompenses pour les joueurs pro, juste ça. Ah non c'est pas que pour les joueurs pro, ok c'est à mon avis c'est pour ceux qui sont allés voir le match ou quoi. Mais bon il dit que c'est très difficile à trouver ce code et il l'a trouvé, il l'a payé. Et à mon avis si tu revends ton compte ou quoi bah, ça aggrave de la valeur. Ouais, c'est. Par contre, elles sont animées, du coup, à mon avis, en game, ça doit pas être très fou. Mais bon, si il fait que du trade, à mon avis, c'est ce qu'il fait. Bah, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ensuite, il a des petites Apex en gris, certifs libéraux. À mon avis, s'il montre ça, c'est que ça va être rare de ouf. Sur RL Trading Post, c'est gris. C'est 16 500 crédits. ASC m'a dit qu'il jouait au jeu depuis 2018, mais là ça fait un an qu'il s'est vraiment mis dans le trade. Donc en un an, c'est vraiment possible de faire ça en un an. Moi je trade. Bon, je trade pas tous les jours depuis un an, j'ai vraiment fait une pause de 3-4 mois, donc j'ai vraiment dû trade beaucoup pendant 8 mois. Et j'ai 120 000 crédits quoi. Lui il a juste 6 casquettes d'alpha. Et donc je vais demander son âge, il a 24 ans. Et donc c'est vraiment rare de voir des comptes comme ça sur Play, bah j'en avais jamais vu hein. Franchement j'en avais jamais vu, je sais même pas s'il y a d'autres traders plus riches. Bon ça doit exister surtout Angleterre, États-Unis, tout ça, là-bas c'est des fous furieux du trade. Et là c'est vraiment un truc de fou, en plus c'est un français. Et donc je lui ai demandé combien il estimait son compte avec ce qui est pas tradable, environ 1,5 million de crédits. Mais en gros c'est le prix de l'Alpha Boost tout simplement, qui n'existe d'ailleurs même pas sur Play, enfin non, ouais, il est pas disponible sur Play l'Alpha Boost, enfin je crois bien, je suis quasiment sûr d'ailleurs. Et ouais, approximativement, il dit 1,5 million. Bah rien que pour les. Comment ça s'appelle? Les casquettes d'alpha, il y en a. Les casquettes d'alpha. Les casquettes alpha, il y en a environ pour 600 000 crédits. Minimum, vraiment grand minimum. Je pense que tu peux vraiment tirer facilement 650 000, 700 000 crédits. Après, avec tous les items hyper rares qu'il a, bah, tu montes facilement, comme il dit, à 1,5 million de crédits. Et du coup, vous savez qu'on est vraiment des rats en trade et du coup on pose la question de rats. Non, en vrai, je pense que c'est une question qui intéresse tout le monde. On lui demande ça vaut combien en euros environ. Et en vrai, il nous a dit qu'il savait pas trop pour les crédits. Il a dit que c'était vraiment approximatif. Là, il va nous donner une somme, mais c'est pas forcément ça. Mais je pense qu'il va nous donner une estimation quand même correcte. Ouais bah du coup il m'a dit ça dépend mais je pense dans les environs de 8 000 à 12 000 euros. C'est vraiment une belle somme. Bah après ça fait quand même un an qu'il est là-dessus, enfin qu'il trade beaucoup et tout. Mais je dis ça mais moi aussi ça fait un an que je trade et tout, il a fait. Et je voulais vous dire ne m'engueulez pas si j'ai dit beaucoup de conneries dans cette vidéo. Je vous avoue moi j'achète en dessous du prix minimum ma petite Fennec à 380 crédits, elle vaut 500 crédits. Et derrière je la revends 500 crédits, je fais des 100 crédits de bénéfice, ou enfin des fois je fais même des 50 crédits de bénéfices par trade. Et donc je m'y connais pas du tout en certif, en collection, en trucs comme ça. Mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse de fou. Et je me devais de vous faire une vidéo sur quelqu'un d'aussi riche sur PlayStation. Et du coup je lui ai demandé si ça le dérangeait de faire une vidéo sur ça. Il m'a dit non, t'inquiète, pas de soucis. J'espère qu'il va voir la vidéo d'ailleurs.
En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et bah, regardez déjà son preset là. Moi, regarde, je vais être obligé de mettre une voiture un peu plus qui fait un peu plus classe parce que c'est vraiment moche ce que j'ai fait. Non. Regardez la différence entre lui et moi. Enfin bon, c'est vraiment un truc de fou. Je suis vraiment ravi de l'avoir rencontré. Il m'a appris beaucoup de choses. Rien que pour mon preset de Fennec Certif Attaquant de la série absolument géniale. Grâce à lui, bah, je vais pas la vendre moins cher que le prix minimum pour ça. Merci beaucoup à ASC, ça fait super plaisir. Et puis bonne continuation pour le trade et j'espère que cette vidéo va vous motiver pour arriver à 6 casquettes alpha. Moi c'est ce que je vais faire, je vais même passer sur PC pour m'avoir 5 à 10 boost alpha, j'en suis sûr. On en reparle dans un an, ou je pense même dans 5 ans plus tôt, ou même jamais. Bon allez les gars, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.